Salut les toqués, chapeau et toqués en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte qui en avance une fois de plus tout doucement sur la collection horreur, avec une sélection sur les deux prochaines vidéos de films, on va dire, classiques, vintage. Donc on attaque sans plus tarder avec du très lourd, film de David Lynch, Elephant Man, voilà, avec le génialissime Anthony Hopkins et John Hurt. Donc j'avais étudié ce film à l'école. Donc vous allez voir, je l'ai dans deux versions. Donc Elephant Man, un petit bijou. Ensuite, un Hitchcock, j'ai pas vu beaucoup d'Hitchcock, hein. Donc celui-ci je l'ai pas vu, donc Juno and the Peacock, Junon et le Pan. Voilà, donc c'est un de ses, je pense, pas très connu. Voilà, Juno and the Peacock. Ensuite, un petit film de la MGM avec Vincent Price, adapté du roman d'Edgar Allan Poe, donc The Tomb of Ligeia. Voilà, donc film assez vieux celui-là, hein. Il est de 65. Voilà, Tomb of Ligeia, avec, je vous ai dit, Vincent Price notamment. Production est réalisée par Roger Corman, je vais y arriver. Un autre Hitchcock, Une femme disparue, The Lady Vanishes, un peu plus connu celui-ci, mais qui fait pas non plus partie de ses forcément plus connus. Le cultissime et très 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 vieux film de William Murnau, donc Nosferatu, voilà, que j'ai dans une édition comme ça et que j'ai dans le coffret Murnau. Donc film que j'avais aussi étudié à l'école, de 1922 si j'ai pas de bêtises. Voilà, muet, hein. Film à l'origine des films de vampires. Ensuite, dans la collection, les inédits du fantastique de chez Back Films, on a l'indestructible avec Lon Chaney Jr. On a Nabanga avec Buster Crab. Voilà, avec un gorille géant. Et on a Le Château de la Terreur avec Boris Karloff et Jack Nicholson. Voilà, dans cette collection. Ensuite, avec Bela Lugosi comment s'appelle le réalisateur déjà? Victor Halperin. Donc on a Les Morts Vivants, donc White Zombie. Voilà, dans l'édition Ciné Club Hollywood. Si je fais tomber le disque, ça va être compliqué. Voilà, hop, Les Morts Vivants avec Bela Lugosi. Bela Lugosi, un célèbre interprète du premier Dracula. Hop, de Todd Browning, réalisateur de Freaks également, qu'il faut que je me trouve. Ensuite, nous avons Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, ou Big Trouble in Little China avec Kurt Russell, donc John Carpenter. Très bon film d'aventure fantastique, un très très gros délire. Dédicace à toi Rémi si tu passes par là, hein, fanatique absolu de John Carpenter et notamment de ce film, je crois. Vieux film également de Sam Katzman, Earthways Flying Saucers, donc film de 1956. Voilà, très content, une production Ray Harryhausen, très content d'avoir ce film. Voilà. Ensuite, nous avons deux films indissociables l'un de l'autre, Le Dentiste et Le Dentiste 2, tous deux réalisés par Brian Yuzna, que j'aime beaucoup, avec Corbin Benson dans le rôle du dentiste fou. Donc vraiment bon, de mémoire je crois que je préfère le 1, le 2 il me semble qu'il n'est pas terrible. Je ne me rappelle plus. Je crois que je préfère le 1, bref. Enfin, je les ai revus il n'y a pas longtemps. Mais... Ensuite, que j'ai vu par mon poteau Julien de la face cachée du cinéma, film de Larry Cohen, The Stuff, avec un espèce de yaourt mutant bien bien délirant à la croisée entre The Blob et Street Trash un petit peu, je trouve. Ensuite, un petit coffret festival de l'horreur qui nous regroupe Embryo, Le Château de la Terreur, Le Cerveau qui voulait pas mourir, La Femme Guêpe, La Nuit des Morts Vivants, Régal d'Astico, Femme Démon, Créature, La Cité des Morts et Carnosaur 3 sur 5 DVD. Donc voilà, je vous montre un petit peu les vignettes. Hop. Voilà, donc ces coffrets cotent un petit peu. Hein, donc j'en ai un autre qui va arriver là pour les Trésors du Fantastique. Plutôt content. Donc, ensuite, un petit coffret Peter Cushing qui regroupe Le Vampire à Soif, L'Île de la Terreur, La Chair du Diable et Le Train des Épouvantes. Voilà, c'est un coffret que j'avais eu à 50 centimes en vide-grenier. Alors je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà.
Hop. Voilà pour le coffret Peter Cushing. On enchaîne avec un autre film culte de David Lynch qui connaîtra son remake, réadaptation plutôt revisitation, revisite, je sais pas comment on dit, par Denis Villeneuve. Donc Dune, j'ai tellement hâte de voir la version de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet. Je sais qu'il y a, je crois qu'il y a Jason Momoa si je dis pas de bêtises. Enfin, on va avoir une adaptation après le jamais fait de Jodorowsky's Dune. D'ailleurs, le documentaire qui est excellent. Donc voilà, une superbe édition 3 DVD que j'avais eu envie de grogner pour, je sais plus, 50 centimes, je crois. Hop, pour Dune. Ensuite, les classiques de l'horreur, l'empreinte de Dracula. Donc celui-ci est assez commun comme DVD, hein, avec Paul Naschy. L'homme au masque de cire de André Detot avec Vincent Price notamment. Voilà, donc excellent. Un double DVD regroupant le Club des Monstres avec Vincent Price et Donald Pleasance et le Cercle des Vampires avec Lawrence Payne. Voilà, donc double DVD. Comme ceci. Clac. The Mask of the White Death, adapté toujours d'Edgar Allan Poe, réalisé par Roger Corman avec notamment Vincent Price. Voilà, le masque de la mort rouge. On termine bientôt cette vidéo, on enchaîne avec Dracula au Pakistan, donc voilà, qui a l'air d'être assez particulier. Un des rares films d'horreur made in Hollywood, voilà. Donc, dans la collection inédite de l'épouvante chez Backfilm, toujours. Qui sort des bonnes petites pépites quand même. Hein. Dédicace à mon pote Goldie qui m'avait offert celui-ci lorsqu'il m'a offert Puppet Master et Tourist Trap. Donc Savage Weekend, voilà, qui est un slasher survival des années 70. Malheureusement pas édité en France, il n'y a que l'anglais sous-titré en français, mais moi ça me va amplement. Donc Savage Weekend, très très bon pour l'époque. Et on termine avec Warriors, les guerriers de la nuit, cultissime de Walter Hill. Voilà, un petit bijou ce film, mais tout le monde connaît, donc je vais pas m'attarder dessus avec un super visuel. Bon les amis, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement. Jouez dans l'anime, et ok. Ciao fucking ciao.